Bien que fragilisé par la maladie, qui finira malheureusement par l'emporter, Jean-Pierre Pernaut. N'aurait pas hésité à disputer sa femme, Nathalie Marquet, le regretté journaliste a reproché à sa femme d'avoir annulé la représentation d'une pièce de théâtre. Trois jours après la cérémonie d'adieu de l'homme de sa vie, la mère de Tom et Lou a retrouvé les planches, samedi 12 mars, pour jouer dans la pièce « Les tontons farceurs » à Nantes, rappelle-le. Magazine Closer dans son numéro daté du 18 mars. À la fin de la représentation, entre deux standing ovations en mémoire de l'ancien roi du trésor. Nathalie a pris la parole, très émue plus grand que plus grand que. Elle a état d'une dispute avec Jean-Pierre Pernaut alors que celui-ci était à l'hôpital. Pour lui, je voulais jouer ce soir. Déjà, quand il était à Jospitalet que j'avais annulé les représentation, il m'engueulait, sur Instagram, dès le lendemain, elle expliquait avoir eu la force de jouer grâce à cet amour éternel. Qu'il allie à Jean-Pierre Pernaut, conjugué à leur passion commune pour le théâtre. Par ailleurs, ce 17 mars est une journée très spéciale pour la comédienne. Elle vient de célébrer son 55. Accent grave ME anniversaire. Run me, run me, run me.